laboratoire de physique chimie du vivant. Oui. Bien, alors voilà, je vous explique. Je suis doctorant en sociologie. Hein? En gros, j'étudie les chercheurs. Non, mais sérieux là? Ouais, et j'aimerais bien vous voir travailler dans votre laboratoire. Si ça peut vous aider... Super, merci, je peux venir quand? Demain? Ok, à demain alors. Au revoir. À demain. Allez, à demain. Ah ouais, salut. Au fait, pourquoi ça a pas marché? J'ai laissé le microscope éteint. Est-ce que j'ai fait un truc aussi con cette semaine? Moi, oui. J'ai laissé un sociologue venir me voir. Un sociologue? Mais qu'est-ce que t'as fait? Non, ça m'a plutôt l'air d'une excuse pour pas bosser, ça. Un sociologue? Mais pourquoi il vient? Il a dit qu'il venait m'observer. Observer? Mais on n'est pas un zoo pour sociologue. Hé, vous connaissez la différence entre un chercheur en sciences et un chercheur en sciences humaines? Le premier, il cherche. Et le deuxième? Et le deuxième, lui, eh ben, on est obligé d'aller le chercher parce qu'il est perdu. Hé, dans le mille, faut aller le chercher là. Je te fais pas la visite complète, mais pour faire vite. Au troisième, biologie, chimie, donc -80, PCR, électrophorèse. Au deuxième, il y a mon bureau, celui des doctorants, la cafette, les toilettes, le cluster. Au premier, il y a les secrétaires et les DRH, ainsi que la bibliothèque et la génothèque. Au rez-de-chaussée, on a mécanique, optomécanique et calibrage laser. Mais bref, moi, je bosse qu'au moins un. Bon, là, c'est pas bien compliqué. Je prends les billes d'actine que Kevin me préparait. Et d'un côté, une bille couverte d'actine et de petits... C'est bon, t'as le temps de noter? Ouais, l'actine, c'est bon, mais le laser, oui. Par Timid qui? Je veux imiter une cellule améboïde. Laser UV au niveau de la membrane, on va générer un bleb qu'on va pouvoir étudier. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et alors, qu'est-ce que c'est l'actine? Tu vois, je prends tous mes points, bon, je fais ma courbe. Mais ben là, forcément, j'essaie de fitter ça par un truc un peu sympa. Salut. Salut. T'es nouveau? Non, en fait, je suis sociologue. Donc, je suis sociologue. Bosser un physicien qui travaille sur des billes d'actine. Et ça va, tu comprends? Ben ouais. Ouais, c'est... Il a tout compris, quoi. D'accord. Mais qu'est-ce que je fais là? La science, j'y comprends vraiment rien. Bon, au moins, il y a du café gratuit. Peut-être pour ça qu'ils passent plus de temps ici que sur leurs machines. Leurs machines ne doivent pas être gratuites, d'ailleurs. Ah, mais c'est ça! C'est par ça qu'il faut commencer! Je peux te poser une question? Ouais. Sans ton microscope, là, tu pourrais pas les voir, tes billes. Non. Sans ton ordinateur, tu pourrais pas analyser tes données. Non. Non, et sans tout le reste, tu pourrais pas faire de mesures. Pas vraiment. Ouais. Alors, c'est un peu comme tout ce que tu m'avais montré, là. Les locaux, l'électricité, la secrétaire du labo. T'en as besoin. Ouais, là, ce serait difficile sans. Ouais. Et pour tout ça, il faut de l'argent. Est-ce que tu sais d'où vient l'argent? Bah, il vient... de demandes de financement, alors soit c'est l'État, ou alors les organismes publics quand ça marche pas, enfin ça dépend. Mmh. L'argent il vient de la société. Alors la société, ça c'est un truc que moi je peux comprendre. Parce que la science, avec tout ça, c'est aussi une activité sociale. Au fait, tu l'as rangé où ton sociologue? Je l'ai pas rangé, il est parti tout seul. Enfin, en même temps il avait l'air complètement paumé ce mec. Non mais c'est vrai quoi, qu'il laisse la science tranquille, qu'il aille étudier, je sais pas moi. Des prostituées ou des suicidaires, un truc comme ça. Ah ben en parlant de suicide, ma dernière manip, j'en suis vraiment pas loin. Et en parlant de prostitution, t'en es où de ta demande de financement? Bah, tout pareil, je suis obligé de faire le beau. Comme quoi, il y a peut-être raison. La science, avec tout ça, c'est aussi une activité sociale.